Bon matin tout le monde, aujourd'hui on va aller bruncher dans un café, notre café préféré. Donc on va vous montrer tout ce qu'on va manger encore. Go! Bonjour! Babe, je suis en train de manger. Bah oui, et alors? Les gens veulent pas me voir en train de manger. Je sais pas, juste que les gens veulent. Est-ce que vous voulez me voir faire ça les gens? Ouais. Bien, je. Nickel! Hello! Carla, elle arrête pas de se moquer de moi. C'est pas vrai. Qu'est-ce que tu viens de dire? Répète ce que tu viens de dire. De quoi? Lequel? Tu m'en dis tellement que tu sais même plus lequel je parle. Exactement. Elle oh, est super belle. Je t'aime bien quand même, hein? T'es belle. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux m'apprendre quelque chose en espagnol? Comme quoi? Je sais pas. Déjà, faudrait que tu t'apprennes à prononcer... jambon. Parle espagnol, allez. Mais qu'est-ce... avec qui? Avec moi. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Cómo estaba tu día? Mi día ha estado muy bien, ¿y el tuyo? Muy bien. Gracias. Adiós. Non, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Apprends-moi des trucs. ¿Qué has hecho hoy? Si. Ah, les cours d'espagnol Qu'est-ce que t'as fait? Ouais, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Ah non, mais c'est moi qui devrais te poser ça. Qui a assez de choy? He ido a comer chocolate. Chocolate? Mucho, mucho chocolate? Mucho chocolate. Y tú, ¿qué has comido? Un zumo. Ouais, sí. Y un crepe. Qu'est-ce que vous dites, crepe? Una crepe. Una crepe. Con B. Parce qu'on a partagé. Y una... Hemos compartido. Hemos compartido. 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 Y una... Tartineta. Tostada. Y una tostada con jamón ibérico. Jamón. Ramón. Ramón. No. Ramón, c'est un nom. Ramón. No. Ramón. 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 Sí, no está mal. Hello. Bon, là, je suis sur le point de partir pour acheter encore des cadeaux à Carla, parce que là, c'est plus son anniversaire, mais ça va être notre Noël. Comme je vous l'avais dit, en fait, on a décidé, nous, de faire notre Noël en avance. Donc, ça va être dans quelques jours. Malheureusement, je peux pas faire comme l'anniversaire de Carla et tout vous montrer, etc., parce que ce vlog-là va sortir avant notre Noël. Donc, c'est super frustrant pour moi, parce que j'aurais trop aimé que vous m'accompagniez dans tout ce processus-là. Donc, voilà, c'est juste qu'en plus, j'aurais bien aimé avoir votre avis. Mais les choses sont comme elles sont. Pareil, je voulais pas non plus faire ce vlog dehors parce que je deviens parano et j'avais vraiment peur que Carla reconnaisse les rues et donc du coup qu'elle reconnaisse le magasin, etc. Puis qu'elle sache en avance ce que j'allais lui offrir. Mais donc du coup quand même, vous allez découvrir ce que je lui ai acheté dans quelques jours. Donc voilà. À tout à l'heure. C'est bon, je viens de rentrer, c'est trop dommage que j'ai pas pu tout filmer parce qu'il m'est arrivé des trucs trop bizarres. Déjà, je marchais dans la rue et il y a la fille devant moi qui s'est mise à faire des vocalises. Genre, juste devant moi, mais pendant genre 15 minutes, tu marchais derrière, j'étais comme... En plus, elle avait une belle voix, c'est pas comme ma voix à moi, mais c'était genre trop chelou. Ensuite, j'ai été dans un magasin, ma carte de crédit, elle marchait pas, j'ai dû faire tout Barcelone à la recherche d'une banque et tout, c'était quand même drôle. Et en plus, cette fille du magasin essayait trop de me faire la conversation, alors que je parlais pas du tout espagnol. Enfin, j'essayais de placer genre 2-3 mots, mais la plupart du temps, j'étais là, no comprendo, no comprendo. En plus, justement, quand je suis revenue... avec du cash du coup, parce que ma carte de crédit marchait pas, c'est trop bizarre. Donc j'ai été dans une banque retirer de l'argent et je suis revenue. Puis je crois qu'elle a... En gros, elle a essayé de me dire quelque chose en espagnol. Et encore une fois, j'ai dit que, comme je comprends pas, qu'est-ce que tu me dis? Elle a répété, genre une deuxième fois, elle était genre committed, elle voulait vraiment genre me dire son truc. Et en gros, il y a deux options, c'est soit la première, elle a essayé de me dire une blague, et puis genre, pour bien faire passer le truc et tout, puis là j'ai fait... comme ça, ou soit la deuxième option, c'est en gros elle m'a dit t'es vraiment conne avec ta carte de crédit qui marche pas là. Donc vu que j'ai passé une bonne journée, je vais me dire que c'est la première option, qu'elle a juste été gentille avec moi, mais bon,
on sait pas. Mais en tout cas, j'ai tous les cadeaux, je suis trop contente. Au final, évidemment, j'en ai acheté plus que ce que j'avais prévu. Mais pareil, j'ai été assez efficace. Je pense encore une fois que je vais lui racheter encore un tout petit truc demain ou après-demain. Parce que j'ai une idée précise, en fait, j'ai repéré un truc dans un magasin que je peux pas encore vous dire parce que Carla, je sais très bien que t'écoutes là maintenant, je sais très bien que tu regardes ce vlog. Mais il n'y avait pas sa taille, donc j'ai repéré un truc en magasin, il n'y avait pas sa taille, donc je vais essayer d'aller dans un autre magasin qui vend la même chose, un petit peu plus grand, pour voir si ils l'ont. Donc c'est ça, pour l'instant Carla elle est pas là, elle a été... chez l'opticien pour prendre de nouvelles lentilles parce que bah, du coup vu qu'on va pas être là pendant un petit moment avec le Canada et le New York, elle est occupée avec ça. J'ai pas envie de risquer d'emballer les cadeaux tout de suite et puis qu'elle arrive et puis qu'elle voit tout, donc là je les ai planqués. Et je profiterai d'un moment où Carla est pas là encore pour tout bien emballer, etc. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte aussi qu'on a le même papier cadeau. Donc du coup, il va falloir trouver un système, genre moi mettre mes cadeaux à droite et elle mettre ses cadeaux à gauche ou à droite, parce que du coup, il y a 50% de chance que j'ouvre ses cadeaux aussi. Et d'ailleurs, là, elle vient de rentrer, donc quoi, heureusement que je vais pas emballer les cadeaux. Salut ! Je suis en train de vlogger. Mais j'ai acheté du pain aussi. Trop bien ! Mais il y a déjà du pain. Ah, bah oui, tu te rappelles pas? Non. Bon, qu'est-ce c'est pas grave. Au pire, on peut le congeler. C'est très mystérieux. En plus, il est chaud. Touche. Ça va? Il fait froid? Ça va. T'es mignonne, en tout cas. Merci. Je m'attendais pas à te voir. Comme t'as été rapide pour mes cadeaux. Je suis littéralement juste de rentrer. Sont où mes cadeaux? Je sais pas. On sait pas. J'ai acheté ça. Ah, merci. Ça faisait longtemps, hein. C'est des pâtes. Ouais. Merci beaucoup. Ouais. Bisous, bisous. Ouais. Bon, je vais vous laisser. Bon. Moi, je pense que Louisiane me cache quelque chose. J'espère que je vais découvrir ça bientôt. Tu ne pourras pas cacher ça longtemps. Ben, jusqu'à Noël. Donc ça a un rapport à Noël. Mais c'est des cadeaux de Noël. Ah, c'est des cadeaux de Noël. T'es vraiment bizarre. Bon, sur ce, arrête de me bully un peu là. Oh mon dieu! Bon, sur ce, je vais dire bye à ce vlog. Donc, on se voit demain. Bye!